Bonjour à tous, bienvenue ici en Bretagne à Dinan pour les demi-finales de la Cubica MF Bowling Promotion Cup. Aujourd'hui, c'est les garçons en compagnie, comme d'habitude, d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno, nous voici de retour sur les pistes du bowling de Taden. Et tout de suite, nos deux finalistes, Vladimir Zverskov, le russe, et le français, Quentin Deroux. Et c'est Vladimir qui ouvre cette demi-finale avec un très beau strike pour commencer. Belle entrée en matière du joueur russe. Avec une technique très aboutie. Alors je vous rappelle aussi le classement des qualifications. Donc Vladimir a réalisé plus de 221 de moyenne sur les qualifications et Quentin 222. Donc autant dire que les deux joueurs sont relativement proches au niveau des résultats. Et l'Américain Kerry Martinez a dominé les qualifications avec plus de 227. Et Quentin Hélène qui attaque sa première frame. Quentin, ce jeune joueur membre de l'équipe de France, du haut de ses 20 ans, qui commence difficilement avec un split, le 2-4-6-10, qui va être compliqué à fermer. Ouais, on n'a pas bien vu la boule, hein. Il y a eu un petit souci avec la caméra, mais Quentin effectivement a laissé ce gros split pour commencer cette demi-finale et c'est jamais facile d'attaquer pour la confiance hein, avec ce type de figure. Oh, il a failli le faire, c'était très bien joué. Et il ne laisse que la quille 6. Mais il attaque avec un trou, donc un petit handicap d'entrée pour Quentin. Alors pour être complet, je vous rappelle également que le premier joueur éliminé est Ryan Lee, le sud-coréen. Il a réalisé 214 de moyenne. Et notre ami Christopher Vial est 5e avec 213. Donc on a eu des très bons scores sur deux bowlings différents pendant cette semaine de compétition. Et tout de suite, Quentin rejoue sa deuxième frame. Avec l'opportunité de striker. Et il y est presque. Il laisse cette quille 4. Oui, la boule était mieux jouée que la première. On la revoit au ralenti avec cette technique particulière à deux mains. Et la boule est trop fine, regardez, oui, elle est trop fine et il laisse cette quille 4. Et pas de problème, spare réalisé. Alors, il y a un gros écart d'âge entre les deux hommes, Vladimir Zverskov, qui nous vient de Krasnodar, tout près de Sochi, dans le sud de la Russie, à 39 ans. Et Quentin a seulement 20 ans. Il y a quasiment 20 ans d'écart entre les deux hommes. Mais c'est un petit peu le charme de cette discipline. L'un est gaucher, l'autre est droitier. C'est un nouveau strike pour Vladimir. C'est parfait. Et oui, doublé. Regardez, on la revoit au ralenti, cette boule. Et regardez bien la quille 4 là-bas qui tombe un petit peu bizarrement. Mais c'est doublé d'entrée. Il est parti positif, le joueur russe. Alors aussi, pour information, ça c'est pour les personnes qui aiment bien les statistiques. L'année dernière, il était venu faire cette tournée. Il avait réalisé 226 de moyenne. Et on avait joué également au bowling de Dinan, au bowling de Fontaine-le-Comte. Il avait fait un petit peu plus. Donc cette année, il a fait que 222. Alors, est-ce que ça va avoir une influence sur l'aspect mental? On va voir ça. Allez, frame numéro 3. Il laisse une quille. Et oui, il a 7, Hélène, comme d'habitude, vous le savez. La quille dégauchée avec cette boule. L'angle n'est pas suffisant d'entrer dans la poche. Et il laisse cette quille 7. Il est dedans le russe, ça c'est sûr. Pour le moment, Quentin n'a pas trouvé le strike. Et le russe, lui, il est plein de poche à chaque fois. Il a fait 2 strikes et un 9. Il est bien dans sa demi-finale. Allez, c'est parti pour le spare. Et c'est très bien arrivé. Spare dans la poche pour le joueur russe. Il va falloir que Quentin réponde, Hélène, maintenant.
Oui, Quentin, essaye de se concentrer, de se mettre dans son jeu. Avec ses routines. Mais il n'a pas l'air stressé. Allez, ce serait bien qu'il strike maintenant. Allez, c'est parti. Et strike, ouh, une très belle boule. Là, on a vu l'action des kills. Hein. Elle a fait un petit voyage de gauche à droite hein, sur la piste. Regardez, on l'a revoir. Regardez cette boule avec énormément de révolution. Regardez la Ki hein, là-bas qui est parti taper le kickback, qui a enlevé la 7. Et ça y est, Quentin a ouvert le counter strike, Hélène. Allez, il faut espérer que ce soit le début d'une longue série. Ce qui est bien avec la technique de Quentin, c'est que quand il a son strike, ça explose. Donc là, Quentin est à moins 20 par rapport à Vladimir. Avec un petit doublé, ça le remet dans le coup, hein, il le sait. Allez, il se concentre. Et doublé, un petit peu le même strike hein, que la boule précédente. Il est un petit peu mi-poche pour le moment, le français. La boule n'est pas parfaitement dans la poche, mais beaucoup de brassage hein, dans les quilles. Et doublé, il met un petit peu la pression russe. Hein. Il montre qu'il est là maintenant. En tout cas, une demi-finale qui s'annonce intéressante, Hélène. Accroché. Allez, encore un superbe strike. Un beau strike de Vladimir avec la Ki 6 qui est tombée un petit peu à retardement. Regardez, on la revoit. Une boule qui attaque trop la poche. Et hop là, la 6 qui est tombée. Il est bien le russe hein, pour le moment. Et il va enchaîner cette frappe numéro 5. On arrive déjà à mi-parcours hein, de cette demi-finale. En tout cas, le vainqueur de ce match ira affronter l'américain d'Arizona, Kerry Martinez, qui a failli faire 300 sur la dernière partie de qualification ici à Dinan. Sacré client, hein, vous le verrez tout à l'heure. Allez, Vladimir a l'opportunité de doubler. Et doubler, oui, super boule encore. Il est facile, Vladimir, sur ses pistes aujourd'hui. Il joue avec sa boule uréthane. Et regardez, belle explosion dans les quilles. Il est dedans, le russe. Ça, c'est sûr qu'il va aller en finale, Hélène. Ça se voit. Il ne montre aucune faiblesse de jeu, contrairement à Quentin, qui est plus hésitant. Peut-être un petit peu de manque de confiance en lui. Allez, le français sur la cinquième frame. Pour le triplé. Oh là là, il est pas chanceux là-dessus. Il est cette quille 9 avec un angle. Là, il était parfaitement dans la poche, même un petit peu trop. La boule a perforé la poche, regardez ça. Où il est pas vénard le français là-dessus avec cette quille numéro 9. J'aime pas être à sa place. Bon, il va sûrement faire le spare, mais il rate ce triplé. Par manque de réussite, ouais, il spare, bien joué. Dommage là, il avait l'opportunité de tripler. Il a vraiment fait ce qu'il fallait. Mais malheureusement, cette quille hein, n'a pas voulu tomber. Et il a 11 quilles de déficit. On est déjà à la sixième frame. Un strike explosif. Ouais, très belle boule, là elle est pleine poche également. Alors il a changé quelque chose hein, dans sa ligne de jeu. Maintenant il met les boules pleines poche, le français. Là voilà, la boule revient parfaitement. Il a failli encore laisser la 9 hein. Elle est tombée vraiment limite. C'est dommage hein, parce qu'il aurait pu faire un quadruplé avec ce 9 spare à la 5ème frame et revenir vraiment sur Vladimir. Mais bon, c'est pas encore fini. Pour moi, Vladimir a le match en main, mais il faut qu'il continue à striker. Et
Et il le met, Hélène. Oh là là, c'est une vraie machine à strike, Vladimir, aujourd'hui. Il ne fait aucune erreur. Il a pour le moment le jeu en main. Quelle boule encore il a envoyée. Une boule pleine poche. Et regardez sa fiche de score. Il y a juste un 9 spare à la troisième frame, sinon c'est que des croix. Il est dedans, hein, et là on est déjà à la frame numéro 7. 21 quilles d'avance. La 7, il laisse la 7. La boule était encore bien jouée. Ça fait deux fois, Hélène, je crois, qu'il nous laisse cette quille 7. Il a déjà laissé la quille 7, justement, sur la frame numéro 3. Il nous la laisse à nouveau sur cette frame numéro 7. Bon, néanmoins, je pense un spare facile. Un spare sans difficulté, puisqu'on a vu que jusqu'ici, toutes les fermetures étaient réalisées parfaitement. Et voilà, une fois de plus, une jolie fermeture. Allez, Vladimir, effectivement, est très très bien. Pour le moment, il est solide. Et Quentin, vraiment, court après le score. C'est jamais idéal, hein, ça. Surtout sur des matchs comme ça, télévisés. Mais le Français a forcément les ressources, hein. Je pense qu'il va pas lâcher le match comme ça. Il s'est battu, hein, toute la semaine. Il était d'ailleurs devant Vladimir sur les qualifications, donc il va tout faire, hein, pour essayer de remporter cette demi-finale. Ouh là là, la 4. Ouais, la 4, il n'est pas content, parce que la 4, on la revoit d'ailleurs, cette boule. Elle arrive très très fine, ouh, elle aurait très bien pu tomber cette qui 4, mais malheureusement, elle reste bien sur le pin deck. Espère. Mais il est en retard, Hélène. Un petit retard qui n'est pas encore très dangereux. Moins 30 par rapport à Vladimir. C'est quand même beaucoup, hein. Il reste que 3 frames. Mais effectivement, mathématiquement, ce n'est pas fini. Mais je préférais être dans la position de Vladimir à ce moment du match. C'est superbe ce strike. Je remarque le flegme de Quentin. Il est dedans quand même, hein. C'est sûr qu'il n'a pas fait une grosse série de strikes pour le moment, mais il est bien là, hein. Depuis la deuxième frame, il s'est remis dedans. Allez, Vladimir sur la frame numéro 8. On approche tout doucement de la fin de cette demi-finale. Une boule qui arrive plus serré que d'habitude, et première petite erreur, j'ai envie de vous dire, Hélène, pour le joueur russe, qui nous laisse le 6-10. Alors, 6-10, bon, c'est néanmoins très facile pour lui, mais ça veut dire qu'il s'est un peu déréglé. Peut-être une petite opportunité pour le Français. Et il fait une belle fermeture, comme à son habitude. Avec beaucoup d'effets. On fait un petit point d'ailleurs sur les scores, 176 pour Vladimir, 148 pour Quentin, mais Quentin a un strike, donc il pourrait revenir, surtout que Quentin va jouer la frame 9 et 10, il va terminer le match, et Vladimir sur la frame numéro 9 prend son temps, il sait que c'est très important cette boule. Allez, c'est parti. Et strike, super boule du joueur russe. Il met la pression maintenant sur Quentin, car là, Quentin, il n'a plus trop le choix. Il va falloir faire des strikes jusqu'au bout. Regardez cette boule parfaite. Elle est pleine poche, celle-là. Il est impressionnant quand même, Vladimir, parce qu'avec une boule uréthane, croyez-moi, mettre autant d'effets avec cette vitesse de boule, c'est quand même impressionnant. Et Quentin, Hélène, sur sa frame 9. Allez, Quentin, il faut faire ce doublé. Oh.
Superbe strike avec un messager pour finir. Ah oui, là, il nous fait plaisir. Regardez cette boule au ralenti. Regardez bien la quille numéro 1 là-bas. Elle va chercher la 7. Waouh, un très beau strike, Hélène. En tout cas, il a l'opportunité maintenant de tripler. Et il en veut. Et il en veut, il y croit encore. Ça, c'est bien. Oui, tout n'est pas fini. Alors, si on regarde les scores, Quentin, oui, ça serait bien qu'il triple. Hein. Il forcerait le joueur russe, s'il arrive à tripler, à offrir au moins un strike hein, sur la première boule de la dixième frame. Il faut tripler pour ça. Ah, la ligne de jeu est bonne. Encore un strike. Et tripler, ouh, yaya, il s'accroche là maintenant, Quentin. Une fin de match à suspense. Avec cette boule, regardez, qui va encore coucher les quilles. Donc il a réussi à tripler, il faut continuer. Hein. Il va falloir encore en faire un. Et regardez cette réaction. Et oui, il y croit, hein. Ça c'est sûr qu'il est... Il est très positif maintenant. Il a encore deux boules, hein. Vous le savez, à la 10, on a le droit à trois boules, surtout quand vous avez réalisé un strike sur la première frame, sur la première boule, excusez-moi. Oh, il a fait une erreur, trois quilles. Eh oui, il s'en veut là, il a fait une grosse erreur. Alors là, est-ce qu'il a mis trop de vitesse, je sais pas, mais la boule lui a échappé. Alors avec cette erreur, il semblerait que la victoire appartienne aux Russes. On va regarder les scores, Hélène. J'ai pas eu le temps de regarder. Super, très très bien. On va faire un petit point sur les scores. Donc 215, le français termine à 215. Et Vladimir, avec un strike, c'est gagné. Et il lui faut un spare, attention, il faut quand même qu'il réalise un spare pour remporter ce match. Il faut pas faire de trou hein, sur cette frame numéro 10. La 7. Il a mis une bonne boule encore, hein, le joueur russe. Mais il lui faut le spare, Hélène. Très important. Regardez, on a une indication sur le score. Eh oui, car s'il la rate, ça fait 214 à 215. Le français aurait gagné. Mais il n'en a pas loupé une seule. Ce serait quand même inimaginable. Ouais, mais c'est vrai. En tout cas, je sais pas s'il a la pression. On va voir ça. Il faut le spare, hein, sinon le match est perdu pour lui. Et c'est parti. Oui, aïe, 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 la rigole. Hélène, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Il perd le match et Quentin va aller affronter Kerry Martinez. C'est incroyable. Oh là là, quel tournant décisif. Ouais, alors là, il est déçu. Bah écoutez, c'est sur cette image qu'on va se quitter. Je vous dis à très vite pour la grande finale. À bientôt, Hélène. À bientôt, Bruno.